On commence par un super produit que j'ai découvert sur Internet cette semaine, qui est un distributeur de nourriture, mais pas pour nous, pour animaux, mais un truc un peu sympa. Alors, j'ai pas d'animal chez moi à titre perso, mais je trouvais le produit assez sympa, vous allez voir. C'est une espèce de petite cuve. Là, on voit un bébé, hein, c'est pas pour nourrir votre enfant, je tiens quand même à préciser. On voit une espèce de... On a vu un chien manger dans la gamelle du chat aussi. Ah ouais, c'est justement pour éviter que les animaux se piquent leur bouffe. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'avoir un récipient que votre chat ouvre lui-même grâce à un médaillon avec une puce RFID. Et en fait, quand il arrive devant, devant la petite machine, voilà, ce qui est actuellement ce qu'on voit à l'écran, et ben ça s'ouvre tout seul et ça lui donne sa nourriture. Donc pas possible, enfin impossible pour le chien de voler la nourriture du chat ou inversement. Vous voyez, mais ça se referme tout seul. Ou alors il faudrait que le chien vole le médaillon. Mais alors là, dans ce cas, c'est des animaux un peu gangsters et faut les changer. C'est surtout un chien beaucoup plus intelligent que la moyenne. Exactement. Regarde, il faut appeler la police. Le et voilà. Chien, là. Typiquement, le bébé, il peut et pas manger dans la gamelle. Et donc, vous avez des petits crans pour séparer les nourritures, mettre différents types de nourriture, voir ce que votre animal préfère. En fait, c'est lié à une appli. Et l'appli va vous dire si le chat mangeait plus de la nourriture, plus de la viande, plus du... Enfin, n'importe quoi, plus du poisson, plus voilà. Il y a un truc plus simple, tu mets la nourriture du chat, la gamelle du chat sur une étagère et le chien viendra pas. Hein. Oui, mais bon, si t'es pas chez toi la journée, tu vas pas lui redescendre pour qu'il mange. Il va pas crever de chien, de faim, ton Est-ce chien. Que tu peux programmer les moments où ça s'ouvre, les moments où ça s'ouvre pas pour rationner ou pas? Alors, non, tu peux rationner tout simplement. En fait, il y a une balance dans le petit produit, donc tu peux mettre 70 grammes de croquettes, tout ce que tu veux, et tu as des petites LED en fait qui te montrent quelle est la quantité de nourriture, pardon, je vais y arriver, quantité de nourriture que tu mets dans le bol. Donc tu sais si tu as mis plus ou moins de 70 grammes ou plus ou moins de 40 grammes. Ça s'appelle Surfeed, et c'est fait par une boîte qui s'appelle Pet Care Innovation. D'accord. Attends, mais juste parce que c'est un sujet important quand même. Oui. Même si j'ai pas d'animaux, je te sens très concentré, mais t'as pas d'animaux chez moi, mais je connais des gens qui ont des animaux. Dis-moi. C'est pas le truc qui te permet de donner à manger pour la semaine. Par exemple, Là, c'est autre chose. Là, c'est si, admettons, t'as plusieurs animaux ou que ton chat, il aime bien bouffer tout ce qu'il y a à la maison. À mon avis, la réussite. Là, c'est déjà en vente. Hein. Pour le coup, c'est déjà en vente. Exactement. Ah, ça coûte 200 euros. Okay. Et en fait, ce qui peut être aussi intéressant, en effet, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une appli. Et sur l'appli, t'as plein d'infos. Tu sais à quelle heure ton chat mange. Tu vois. Ça peut être sympa aussi d'avoir les. C'est vrai que ça a du sens si on a deux animaux. Voilà. Si t'as un chien et un chat, en effet, c'est intéressant. Et d'où leur. Et en fait. C'est 400 euros si t'as deux animaux. Ouais, c'est pas faux. Mais il faut savoir aussi que ça marche avec les puces des animaux quand tu fais pucer ton chat ou ton chat. Ah ouais. Et ça marche aussi avec. Tiens. Ils disent que la plupart des puces pour animaux sont compatibles. Donc il n'aura même pas besoin de son collier. En fait, t'as même pas besoin du médaillon, théoriquement, si ton chat ou ton chien est pucé, ce qui est censé être. Attends, franchement, c'est pas mal, ça te plaît ça. Hein. Et ce qui est sympa, c'est que la nourriture prend pas l'humidité, etc. T'as pas les mouches qui viennent dessus. Enfin voilà, c'est fermé. Oui, c'est assez hygiénique. Voilà, c'est un peu plus hygiénique. Ok, alors écoute, tu sais quoi, j'en voudrais deux. Eh ben très bien. Bon, 400 euros, je te les achète d'ici fin d'année. Allez. Avec les chèques cadeaux. Ah, les chèques cadeaux. C'est pas beau, Ticket Cadoc, Cadeo, tout ça. On enchaîne, deuxième ça petit... Oui, on enchaîne. Deuxième produit, alors rien à voir. Un produit que je trouve assez génial. Alors c'est un projet, c'est pas encore sorti, je pense que c'est loin d'être sorti. Mais je trouvais ça vraiment cool, j'ai vu ressortir ça cette semaine, ça s'appelle Smart Crossing. Je sais pas si vous avez déjà vu, messieurs. Donc ça n'a rien à voir avec la bouffe pour chien ou chat. C'est en fait un système qu'on mettrait sur le goudron plus tard, dans des dizaines d'années, et auquel des Londoniens ont réfléchi. Et en fait, ça permettrait, admettons, Jérôme, tu as envie de traverser. Si tu traverses un peu n'importe où, Non, moi, je traverse jamais. Toi, tu es un peu, je sais pas, tu es un peu le brigand de la rue. Tu traverses là où il ne faut pas. Je suis un rebelle du passage piéton. Exactement, un rebelle du passage piéton. Eh bien, tu vas avoir ces systèmes qui sont posés sur la route, qui vont s'allumer pour dire à un automobiliste que tu traverses au mauvais endroit. Et donc, il va être alerté. Ah, c'est bien. Via des signaux lumineux au sol. Et tu vois que tu as une personne qui arrive ou quoi. Et ça va donner des consignes aux voitures ou au vélo. Typiquement, tu as un vélo qui arrive sur une voie derrière une voiture, il ne te voit pas. Ça va lui mettre des petites lumières. Là, on ne le voit pas tout de suite, mais ça va arriver un peu plus tard dans la vidéo. Ça n'a rien à voir, ça. Non, si, ils te montrent comment ils le construisent là. D'accord. En fait, c'est des petits, tu vois, c'est des trucs qui se mettent au-dessus de la route, c'est des petites LED. Et en fait, voilà, tu vois, ça s'allume, là, on le voit un peu mieux. Ils te montrent quand tu marches, en fait, ça déclenche un petit système et ça dit au vélo de s'arrêter, tu vois, là où il y a les petits carrés bleus. Ça, c'est très intéressant, c'est la ville connectée du futur. On va en voir de plus en plus ça, parce qu'après, tu branches ça sur les voitures autonomes. Exactement. Et c'est la voiture qui détecte automatiquement. Exactement. C'est l'idée, tu vois, là, ils te montrent un peu que quand il marche, où ça le situe, etc. On sent qu'on en est vraiment au début. Là, c'est les balbutiements. C'est les balbutiements, mais c'est super intéressant. Ça
le truc, c'est que s'il faut équiper toutes les routes, ou en tout cas les rues, super cher. Ça coûterait une fortune. Non, mais à moins d'avoir un Elon Musk qui veut se lancer dans un truc comme ça et qui finance le truc, mais t'as aucune boîte qui est capable aujourd'hui de payer un truc comme ça. Oui, ou même des municipalités. Oui, voilà, même des villes, exactement. Qui payent ça. Non, mais vous savez, les vieilles villes, il faut les détruire. Oui, excellent. Évidemment, franchement. Exactement. Très bien. Ça, c'est bien, ça, Jérôme. C'est dommage, c'est pas le mot de la fin, mais. C'est vrai, je peux finir là-dessus. Tu me dis, j'arrête là-dessus. Non. Enchaîne. Enchaîne. Trois sujets, on m'a dit. Dernier truc, vraiment. Alors là, c'est le truc qui m'a mis une grosse claque. Ça s'appelle FeelReal. C'est un projet Kickstarter. Vous savez que j'aime beaucoup Kickstarter. Et c'est un projet qui se vend comme le premier masque VR multisensoriel. Oh. Alors ça. Multisensoriel. Exactement. C'est vendu comme ça. C'est écrit comme ça. C'est pour ça que j'ai repris les termes. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un casque qui te permet d'avoir plusieurs choses. Tu peux avoir de l'odeur. Tu peux avoir de la chaleur, du vent, des vibrations, de l'eau. C'est cool. Et c'est ça, ça. Alors sur le papier, ça a l'air génial. Hein. Vraiment. Là, on voit le générateur d'odeur. Et en fait, ça se branche pour les odeurs. Ça, c'est une petite cartouche que tu mets. Et tu peux faire jusqu'à. Eux, ils prédisent jusqu'à 250 odeurs différentes. Et en fait, tu as des cartouches différentes en fonction de certains jeux. T'as l'odeur du zombie. Bah, exactement. Tu vas avoir peut-être de l'odeur de sang. Tu vas avoir différentes cartouches en fonction de tes jeux, en fonction de ce que tu utilises. C'est très marrant. C'est ce qui est pas mal, ouais, voilà, il y a 4 heures de durée de batterie, c'est compatible Wi-Fi et Bluetooth. Et ce qui est assez sympa, je trouve, c'est que c'est compatible avec tous les casques. Là, ils vous montrent tous les casques compatibles, il y a quasiment tout. On parlait de l'Oculus tout à l'heure, c'est compatible Oui, en fait, c'est une extension d'un masque de réalité virtuelle. Peut-être pas super bien exprimé là-dessus, c'est vraiment une extension que vous branchez, vous pluguez à votre Oculus ou à votre PSVR, à ce que vous voulez, c'est compatible avec tous les casques. Là, ça fait de l'air aussi, tu disais. Ça fait de l'air, tu peux avoir de la chaleur. Tu peux avoir plein de trucs. Et je trouve ça assez fou. Moi, j'avais déjà testé à la Paris Games Week. Ça fait un look. Ouais, alors par contre, c'est un peu triste. Cette image, je la trouve très triste. Les deux personnes qui regardent le film et qui ne se regardent même plus, en fait, je trouve ça très triste. Et puis en plus, c'était le jour de la Saint-Valentin. Oui, là, mais voilà. Ça, je trouve ça assez triste. Mais bon, sur les jeux, je trouve ça assez cool. Ça peut ramener pas mal de trucs. Tu vois, l'effet de chaleur, l'effet de les petites éclaboussures d'eau, ça peut être quand même plutôt pas mal. Non, c'est sympa. Ça pousse le concept jusqu'au bout. Exactement. Alors là, t'es vraiment dans de la VR pure. Alors, c'est un projet qui cartonne. Il a déjà récolté plus de 116 000 euros alors qu'ils en voulaient un peu quasiment 20 000. Si vous le backez aujourd'hui, ça vous coûtera 220 euros et dans le futur, ça coûtera 290 euros. Ce qui est sympa aussi, j'ai pas précisé. Plus les cartouches et les trucs comme Les cartouches. Après, on venait de voir à l'instant que tu peux t'en servir comme de l'aromathérapie vu que ça diffuse des odeurs. Enfin, il y a un milliard d'utilisations. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve le produit assez cool en sachant que j'avais déjà testé un truc comme ça à Paris Games Week il y a quelques temps. Il y avait Ubisoft qui avait sorti un jeu South Park et il y avait un Nozulus qui s'appelait un Nozulus. C'était une petite capsule que tu mettais sur le nez, où tu avais une odeur. Bon, c'était pas génial, c'était une odeur de paix en fonction du jeu, parce que c'était l'histoire du jeu. Vraiment, tu peux taper, ça existait, je l'ai testé. Alors, cette odeur-là en particulier n'était pas hyper agréable, tu vois, mais l'idée, je la trouvais cool. Et c'est grosso modo ce qu'on peut retrouver ici. Donc voilà. Très cool, très cool. Merci beaucoup, Jordan. Bah, écoutez, c'est très sympa. Merci à vous.